aujourd'hui que ces trois jours puissent te changer. Parce que le Seigneur veut te visiter. Mais enlève cet esprit-là. Je suis 100% d'accord avec les études. Parce que nous avons besoin des intellectuels dans l'église. Mais il ne faut pas que ces études-là empêchent la main de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas nous amener des raisonnements au boire Jésus. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée de boire un peu de vin. Ça devient l'intellectualisme. Tu te caches avec tes diplômes en train de boire et le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Amen. Esther, une femme stratégique, elle a fait sa requête au moment opportun. Bien aimé, il faut savoir saisir des moments que le Seigneur te donne. Beaucoup de gens étaient distraits pendant ces trois jours. La grâce de Dieu était ici et aujourd'hui la grâce de Dieu est là. Les vies là qui sont changées, c'est fini, c'est changé pour toujours. Et les gens qui n'étaient pas là, c'est dommage. On ne sait pas quand est-ce qu'on va encore revenir à Champagne. Bien aimé, chacun a sa grâce. La grâce des couples de Maman Francine et Pasteur Guiwembo, ce n'est pas la grâce que le couple Bata a. Et ils vont vous bénir selon ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Et nous, quand nous venons, nous vous donnons ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Quelqu'un est d'accord? Amen. Alors, il faut savoir saisir des moments. Quand le Seigneur est en train de passer, bien aimé, quand le Jésus-Christ est en train de vous visiter, il ne faut pas louper. Quand Jésus passe quelque part, oh j'aime ça. Quand Jésus passe quelque part, quand tu regardes derrière, tu vas remarquer qu'il y avait les pas de Jésus ici. Quand Jésus passe dans une vie, il y a ses pas qui restent. Quand tu vas tourner la tête, tu vas voir que l'homme de Galilée est passé ici. Et il a marché sur les eaux sans bateau. Il n'avait pas besoin de bateau pour résoudre ton problème. Esther a saisi un bon moment. Elle a introduit sa demande. Elle a dit, on veut nous exterminer. On veut nous tuer. Le roi dit, par qui? Qui est l'ennemi d'Esther? Bien aimé, jusque-là, le roi ne savait pas qu'Esther était juive. La discrétion. Prie pour que tu te débarrasses de l'esprit de beaucoup parler. Toi, tu penses que tout ce que Dieu fait dans ta vie, dans ton foyer, tu es en train de le proclamer tout haut. Tout le monde est content. Tu vas te multiplier des combats pour rien. Esther s'est cachée. Elle a écouté ce que Mardoché lui avait dit. C'est après tous ces événements, c'est ce jour-là que le roi a su la femme avec laquelle je me suis mariée est juive. Et ça n'a pas choqué le roi parce que son cœur était déjà attaché à Esther. Amen. Maman, protège tes enfants. Oh, mon enfant intelligent. Et mon enfant est ceci. Tu parles avec qui? Est-ce que tu connais son cœur ici? Est-ce que tu connais ses pensées? Protège les richesses que Dieu t'a données. C'est un esprit. Quand tu vas prier beaucoup, tu vas vomir ça. C'est un esprit. Le diable met ça souvent ici. Même dans la bouche des serviteurs de Dieu, quand il passe à la chair, c'est n'importe quoi. C'est un démon. Mais Jésus-Christ est vainqueur. Amen. Le tombeau est vide. Esther a dit au roi, on veut nous tuer. Le roi a dit, Qui est ton ennemi? Il a dit, Esther a dit, c'est celui-là qui est en face de moi. Le roi a dit, comment que Aman soit crucifié? Et aujourd'hui, c'est le troisième jour, le jour de la résurrection, Aman est crucifié. Comme Jésus-Christ avait crucifié ton célibat, ta malédiction, ta maladie, ton blocage, aujourd'hui aussi, Aman est. Aujourd'hui, Aman est. Aujourd'hui, Aman est. Mets-toi debout, nous allons prier.
Commence à dire merci à Dieu encore. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a donné la victoire. Dis merci au Seigneur. Prie, je n'attends pas ta voix. Dis merci. Commence à prier, commence à prier. Oh éternel Dieu, merci. Merci Père des bontés. Merci mon Dieu, mon roi. Merci éternel Dieu. Sois loué, sois glorifié. Sois loué, sois béni. Père, merci. Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Louange à ton nom. Gloire à ton nom. Lève tes mains, répète maintenant cette prière après moi. Le Dieu d'Adassa, je reçois ta parole aujourd'hui. Je lève mes mains avec toute ma famille dans mes mains comme Esther et Mardochée. Priant pour tous les Juifs. Je te prie pour toute ma famille. Je te présente ma vie. Viens à notre secours. Change l'histoire de ma vie. L'histoire de ma famille. Au nom de Jésus, là où on avait arrangé les bois, pour que je sois crucifié, je quitte, au nom de Jésus, je crucifie ma main, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai arrêté de prier, il était, je crois, vers 9h du
matin, comme je venais de le dire. Et j'ai eu une vision. Je vis que j'étais, je me suis vue moi-même dans cette vision. Je vis que j'étais sur une table. Vous voyez par exemple l'auteur de cette table, ici. J'étais au-dessus. Mais là où j'étais, je n'étais pas à l'aise. Je voudrais descendre. Mais je n'arrivais pas à descendre. Je fais de mon mieux, je bougeais. Je n'arrivais pas à descendre. J'étais très mal à l'aise là où j'étais. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, Jésus. Mais je n'arrivais toujours pas. Je dis, Jésus, je n'arrivais toujours pas. Après, je vois une femme devant moi. Et à ma droite, je vois une personne, mais en forme de... Vous voyez une fumée, c'est une personne, mais la couleur blanche. Je n'arrivais pas à voir la figure de cette personne. Mais la personne a parlé en disant, et voilà la femme dont je te parlais l'autre fois. Elle va t'aider à descendre. Parce qu'il faut que tu descendes. Et je soulève les yeux, je regarde la femme. Je bien fixé la femme. Et elle est venue vers moi. Elle m'a tenu, elle m'a mis sa main entre ma main, et puis elle m'a soulevé. Quand elle m'a soulevé, je suis descendue, et puis j'ai eu les deux pieds sur terre. Et j'étais très à l'aise, et puis je commence à bénir le Seigneur. J'ai dit merci Jésus, j'étais très contente. Et c'est comme si j'étais, vous voyez, quand vous êtes dans le cinéma, vous voyez, c'est comme ça que je voyais, j'étais dans cette vision-là. Et j'étais très contente. Alors, mais quand la personne m'a dit que voici la femme dont je t'avais parlé l'autre fois, je me suis rappelée que j'ai vu une femme. Cette fois, ce n'était pas la vision comme telle, mais c'était en songe. Je dormais, j'avais vu la femme et c'était la femme dont je vis qui m'a soulevée. J'ai vu la même personne qui m'a parlé de cette femme m'a dit. Alors, je reviens à la vision. Quand je suis entrée dans cette salle, je crois que c'est juste au moment où la sœur Rosette passait devant pour prêcher la parole. Alors, j'étais à la maison, je ne savais pas comment atteindre le lien parce que la sœur qui devait me prendre, la sœur Nelly, elle était déjà venue et d'autres sœurs. À cette heure, je me suis dit, il n'y a personne qui peut être à la maison pour m'amener à l'église. Disons, à l'endroit où il y a la prière aujourd'hui. Bon, je me suis dit, je crois que c'est fini pour moi. Pourtant, j'ai envie d'aller prier avec les autres, mais je ne saurais pas y aller. Alors, je me suis inclinée dans la prière, je bénissais le Seigneur, je dis, Seigneur, pendant qu'eux prient là-bas, moi, je te prie ici. Je sens bien que j'ai envie d'aller, mais je ne sais pas atteindre le lien. J'ai prié, mais avec beaucoup de peine dans mon cœur. Je dis, Amen. Quand je finis de dire Amen, mon téléphone a sonné. C'est la sœur Nelly qui m'a appelée pour me dire, je m'organise ici pour qu'on vienne te chercher à la maison. Je crois que tu es à la maison, tu es prête. Moi, je suis vraiment prête, mais seulement je ne sais pas atteindre le lien. Il me dit, ok, je m'organise, j'envoie quelqu'un te prendre. Amen. Il s'est organisé, il a envoyé quelqu'un pour me prendre. Je suis entrée dans la salle et on priait pendant qu'on priait et tout. À un moment donné, quand la sœur Rosette a fini de prêcher, la dame qui est passée ici, juste au moment où elle s'est mise devant nous, je regardais, c'est la dame que je vis en vision. Vraiment telle que je la vis. J'ai eu la chair de poule. C'est la dame qui m'a soutenue pour que je puisse descendre. Et puis quand je suis descendue, je commençais à bénir le Seigneur. Mais quand elle m'avait tenue en train de, pour me faire descendre, elle était en train de prier, elle a dit ceci dans la prière. Dans la vision, elle a dit ceci. Seigneur, pendant qu'elle puisse sortir, et tous ces endroits étaient. Donc, il y a une là quelque chose. Mignoko-kweya. Il a dit quelque chose. Mignoko. Ça, je vais retenir. Mignoko. L'échec. Mignoko. Bon, elle a dit ça comme ça. Je retenis ça. Mignoko-kweya. Qu'elle soit en bonne santé aussi. Elle a ajouté ça. Donc, comme des choses. Elle a prié. Et puis elle a dit en français, elle a dit et de malédiction, que tout tombe. Hein? Elle faisait des prières comme ça, donc elle a parlé que la malédiction tombe. Puis elle a dit que je suis en lingala, mais nyoko et kweya. Et puis elle a dit qu'elle soit en bonne santé.
J'ai retenu ces trois choses dans la prière répétée, mais ces trois choses m'avaient marqué. Alors, maintenant, quand on était en train de prier, quand il a fini, parce qu'elle était devant, il a prêché aussi après Maman Rose, et le venu, elle était en train de prier pour les gens dans la salle. Il est arrivé là où j'étais, elle a prié d'abord pour Nicole, qui est là au coin. Nicole était bien devant moi. Alors, elle donnait les dos pour repartir. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a retenu pour revenir. Elle partait quand elle a fini de prier pour Nicole. Parce que moi, j'étais derrière Nicole. Quand elle a fini de prier pour Nicole, elle partait. Là, je parle de Maman Mireille. Donc, parce que c'est Maman Mireille que je vis. C'est Maman Mireille que je vis qui m'a tenue pour me faire descendre. Que je vis, qui m'a tenue, qui priait pour moi, pour me faire descendre, qui a dit Nicole Kweya, qui a dit malédiction Kweya, qui a dit qu'elle soit en bonne santé. C'est elle. Alors, maintenant, quand elle partait, quand elle a fini de prier pour Nicole, elle partait, mais à un moment donné, elle est retournée, je ne sais pas comment encore, elle est revenue jusque là où j'étais, elle m'a touchée, et pendant qu'elle priait, les trois termes sont sortis de sa bouche. J'ai eu la chair des poules, et puis quand nous sommes allés dans la salle, je me suis dit, je crois qu'il est quand même bon que je le dise, parce que c'est la même dame que je vis. Et le même parole, le même thème. Non, je crois que c'est bon que je lui dise ça. Et je lui ai dit, je bénis le Seigneur pour cela. Je pensais que dans le monde, tout le monde avait un ami. But with time, as I'm growing up, I'm realizing mais avec that le temps, comme je grandis, je réalise que very few people have friends. Vraiment peu de gens ont des amis. And even before they say friend, they have to think et twice. Et même avant de dire ami, ils doivent penser deux fois et se dire, est-ce que vraiment cette personne est mon so ami? I count myself honored. Alors je me considère comme étant honorée to be blessed with many friends. D'être bénie avec autant d'amis. Amen. Amen. And I thank the Lord for the life of Pastor Mireille. Et je bénis le Seigneur pour la vie de Pasteur Mireille. Her husband that we affectionately call Bishop. Que nous appelons avec affection Bishop. Amen. Let's put our hands together for them. I will walk with the Lord. Mais dans ta marche avec le Seigneur, you encounter a lot of things. Tu rencontres beaucoup de choses. Such things as des choses comme you do not decide on in which family you are to be born. Tu ne décides pas dans quelle famille tu dois naître. And that brings us to the story of this young lady. Et ça nous emmène à l'histoire de cette jeune dame. She did not choose the family in which elle she should be born. Elle n'a pas choisi la famille dans laquelle elle devait naître. Hallelujah. Amen. I did not choose. J'ai pas choisi to be born for my father and my mother. D'être née de mon père et de ma my mère. My friend here. Mon ami ici. She did not choose to be born in the family where she was born. Elle n'a pas choisi d'être née dans la famille dans laquelle elle est née. But like she said, when she got understanding, elle a dit que quand elle a acquis la compréhension, she understood that that was training for her to fulfill her destiny. Elle a compris que c'était une formation pour qu'elle puisse remplir sa destinée. And today, if the Lord is moving powerfully through the life of Maman Mireille, voir puissamment dans la vie de Maman Mireille, it's because c'est parce que the Lord positioned her, le Seigneur l'a positionnée to that particular family, dans cette famille particulièrement, to experience everything pour expérimenter tout ce qu'elle a, elle devait expérimenter. And that's why today she's a blessing c'est ainsi for us. Qu'aujourd'hui elle est une bénédiction. So the story of your life, alors l'histoire de sa vie, it's been written, est en train d'être and it's continuing to be written. Et elle continue à être écrite. Amen. Amen. So when in your life, alors quand dans ta vie, you see things that should not happen, tu vois des choses qui ne devraient pas you se passer, realize when you spend tu time vas réaliser que quand tu passes du temps dans la repentance, introspection, et d'introspection, that something is not right in my world. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma marche. That my story, que mon histoire, is losing the direction. Est en train de perdre la direction. This is what the Lord has asked me voici to tell you. Voici ce que le Seigneur m'a demandé de is for dire. You to stand on your c'est feet. C'est que tu puisses te lever sur tes mains et décider que mon histoire, must change. Doit changer. That's the title of our message today. C'est le titre de notre message aujourd'hui. My story, mon histoire, must change. Doit changer. Hallelujah. 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 If you're comfortable with your situation si today, si tu es confortable avec ta situation, that's your business with your God. C'est ton problème avec ton Dieu. Hallelujah. Hallelujah. But I know that I have a mais race to run. Je sais que j'ai une course à courir. I have a race to run. J'ai une course. And à I know faire. That my situation, et je sais que ma situation, my story, mon histoire, must change. Doit changer. Tell your neighbor. Dis à ton voisin. My story must change. Mon histoire doit changer. My story must mon change. Mon histoire doit changer. My story must mon change. Histoire doit changer. Hallelujah. Hallelujah. We will go straight to the story of Esther. Nous allons aller directement à l'histoire d'Esther. Many people think that plusieurs personnes pensent que Esther's destiny or role in life
life, que la destinée d'Esther ou sur son but dans la vie, was to deliver the children of Israel from a major genocide. C'était de délivrer le peuple d'Israël d'un génocide énorme. But there's something that we should know. Mais il y a quelque chose que nous devons savoir. As I was studying the scripture, comme j'étais en train d'étudier les écritures, I realized, j'ai réalisé that in those days, qu'en ce temps-là, the people where she was living, where she was taken captive with her family, les gens, le peuple dans lequel elle vivait, là où elle avait été prise captive avec sa famille, c'était des païens. They were pagans. C'était des païens. They were pagans. C'était des païens. So they had idols that they were worshiping. Alors ils avaient des idoles qu'ils adoraient. They had gods that they were worshiping. Ils avaient des petits dieux qu'ils adoraient. And one of the goddesses that they had. Et une des déesses qu'ils avaient. Her name was Anahita. Son nom était Anahita. And that's a goddess that was there in that century. C'était that une déesse qui était en ce temps-là, dans ce millénaire, dans ce centenaire-là. In their temples. Dans leur temple, dans ce and siècle-là. And that goddess. Et cette déesse. Was the goddess of the waters. C'était la déesse des eaux. The goddess of productivity. La déesse de la productivité. The goddess of fertility. La déesse de la fertilité. And with time, et avec le temps, to worship that goddess, pour adorer cette déesse, in her temple, dans son temple, people had intercourse in the temple. Les gens avaient des rapports sexuels dans le temple. Hallelujah. Hallelujah. So this girl, alors cette fille, this young innocent girl, cette fille jeune et innocente, was raised in an environment like that. A été élevée dans un environnement and comme ça. And that's what justifies. C'est ce qui justifiait. The reason why, as a culture, la raison pour laquelle en tant que culture, she was called, they called many of them, on a appelé plusieurs d'entre elles, so that the king will sleep with them, pour que le roi puisse coucher avec and then elles, decide, et puis après décider, which one, laquelle j'aime bien. But on the other hand, mais de l'autre côté, look at how human beings, we are weak. Regardez la manière dont nous sommes faible en tant qu'humain. You have a culture where tu as une culture où you rape women. Vous violez les femmes. And then on the other hand, et de l'autre côté, virginity, la virginité, it's like gold. C'est comme de l'or. Virginity, la virginité, it's the thing. C'est la chose. If you lose it, si tu la perds, you are considered nothing. Tu es considéré comme n'étant rien. Amen. Amen. No man will come to you and il n'y a aucun homme qui va venir pour t'épouser. So this is what happened. Alors c'est ce qui se passait. Esther. When it was returned. Quand c'était son tour. After number one, number two, number three, après number four, number un, five, deux, trois, quatre, cinq, has been raped. A été violé. When you reach the point of Esther. Quand ils sont arrivés au point d'Esther. It stopped. Ça s'est arrêté. Amen. Amen. It stopped. Ça s'est arrêté. So she saved the life of many, many, many other girls. Alors elle a sauvé les vies de plusieurs Amen. Autres filles. Who could have been raped by the king. Qui pouvaient être violées par le roi. Amen. Because Amen. Even if, yes, they were going, they were getting prepared. Parce que même excited. Si elles allaient, elles étaient préparées, elles étaient toutes contentes. But I always call it. Mais j'appelle a toujours formalized ça. Rape. Un viol formel. Because in a way or another, they didn't really have a choice. Elles n'avaient vraiment pas le choix. C'était un viol organisé. So quoi. We understand here. Alors nous comprenons ici. That Esther not only saved the children of Israel. Qu'Esther n'a pas simplement sauvé le peuple d'Israël. But she stopped. Mais elle a arrêté. A massive rape. Un viol massif. Amen. Amen. All those young girls were toutes singles. Ces jeunes filles étaient célibataires. But after passing by the king, mais après être passé par le roi, because of tradition, à cause de la tradition, because of culture, à cause de la culture, they were condemned into celibacy. Elles étaient condamnées à être célibataires. Hallelujah. Amen. So Esther entering the contest as a single woman, alors Esther entrée dans ce concours en tant que femme célibataire, being chosen by the king, étant choisie par le roi, she broke the curse of celibacy. Elle a brisé la malédiction du célibat. From du célibat, all the ladies that were coming behind her. De toutes les filles qui venaient après elle. Amen. 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 So that's what the Lord wants to do with you tonight. Alors c'est ce que le Seigneur aimerait faire avec toi ce soir. Hallelujah. Hallelujah. There might have been a traditional or cultural il pouvait y avoir une tradition ou bien un décret culturel that have pushed you in this life dans cette vie where you find yourself single up to où this tu te time. Retrouves célibataire jusqu'à ce moment. Hallelujah. Hallelujah. But the Lord is telling you tonight. Mais le Seigneur est en train de te dire ce that soir everything is stopping. Que tout s'arrête. That he's breaking the cycle. Qu'il est en train de briser tonight, le cycle. Tonight, in the name of soir, Jesus. Au nom de Jésus. Not tomorrow, but tonight. Pas demain, mais ce soir. Not tomorrow, but pas demain, tonight. Mais ce soir. Not tomorrow, but pas tonight. Demain, mais ce soir. Esther is like the image Esther of Christ. Est comme l'image de Christ. She gave of herself. Elle a donné and elle-même. She stopped all evil et elle right a arrêté tout ce qui était it's de mal derrière elle. C'est la même he's chose avec Jésus. He's telling you that it's tonight. Il est en train de te dire que c'est ce soir.
ce soir. If you have faith with me, you take it by faith and you si say tonight. Si tu as la foi, tu le prends par la foi. I want to say tonight. Je veux t'entendre dire ce soir. If you don't speak for yourself, speak on behalf of one of your church members. Parle au nom de speak on behalf of one of your sisters. Parle au nom du speak on your own behalf. Parle en ton propre nom. And say that tonight. Dès que ce soir, ça s'arrête. Tonight, ce soir, it ends. Ça s'arrête. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Le troisième jour. Tous les trois jours à la tête, magnifique. Nous avons bâti des muscles, grâce à la délivrance, la restauration. La restauration, c'est ma vie à Bissot. Dans ma vie à Batoumoussou. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Quand nous sommes venus, nous avons cassé un zota là. Sur le Giscanda, ces années, qui est fait habillé là-dedans. J'ai béni maman Mireille Bandé, son mari, parce que c'était vraiment impeccable. Le Seigneur était descendu dans toute sa gloire. Amen. Je suis un homme qui a été un homme. Et là, elle te dit que sa lingue vraiment. Et qui s'est mis un de plus. Na kati na bomo nangai. Na moni ke kouroume na prière ko solo na zambi. Tongo midi pourquoi ils allaient loko malamo. Parce que si vous arrivez ma basse à ma bonde li. Et que vite biso to kwe sama. Na makambo etali mokili. Makambo etali nsoto. Et là, vraiment, moutou ya na zui. Na kati na. Très très tôt au sali, ils allaient surtout sur la prière. En tout cas, ils ont dérangé. Ils allaient ça de pas à Ngolu, en Zambie, au Salangai, et puis ma coquille. Mais ils sont en Zambie. 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 Ils sont en surtout la marche chrétienne. Amen. That's our retreat. I got here, I think, on Friday night, and from the moment I got there, it was really amazing. We really were able to feel the presence of God throughout everything that we did. And God visited us through his servants, his women servants who spoke to us, and were able to provide so many great highlights about everything Esther was and what her story really entails and what the Lord wants to deliver to us through that story. So I bless the Lord for that, and I'm glad to be in the midst of my sisters, my mothers, my older sisters who really blessed me tremendously through the word and through prayer. And I hope everything you'll be able to see shall bless you as well. Mama, Pastor Wivin Christophe Chibasubanza. Naza mama ya église de Last Harvest Cité Bethel ya Dallas Fort Texas USA non c'est pas la même couleur na chiluba quand je parle en chiluba je me retrouve ni disanga jabuni ni tumbisha nzambi wetu mwena bantu udumu tenza masa wa kula ku mujumu wenda dibala mu mujumu wa nzambi mu champagne. Mon réunion avec maman Adassa, les femmes fortes, ou la vision de maman ou tout Mireille Banza, Zambi ou tout Mwenze Bishima, Zambi Mouji Tumbisha,
anumuvu imwenze bishima ni Esther ni Mardoshe muru ayo muwa mfumu kampanda unu jibonsu bamani Zambia wa muji tumbishaka bujibikola delivance mienze kaminena bantu mbaloma koku mwakusambi la Nzambi kianji ntumbisha Nzambi kwa maluenda mimpa juyutu enzela tujibalo mbelanga na Nzambi de loin de près Nzambi muji tumbishi kianji mutumbishaka bujibikola kwa jina anga nibune na buenda Dieu nous a mal toujours au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous imaginons. Butumbi buhinga na kuji. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes là encore ce soir. Dans le bec à l'une des arbres. Dites avec moi, Père. Yenemamba. Jésus. Jésus. Saint-Esprit. Si son mot. Nous t'aimons. Ton nom Mayamba. Voilà, nous sommes là ce soir. Nous voulons t'écouter. Ton de la tchèle Mayamba. Nous voulons te voir à l'œuvre. Ton de la tchèle Mayamba. Et nous voulons te parler. La ton d'attention, Mayamba. Amen. Amen. Alléluia. 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 Dites à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce soir. Dis-lui que tu es un homme, une femme bénie parce que tu es là ce soir. Cherche et tout le monde écoute ce que je viens de dire. Dis-lui que tu es une femme, un homme béni parce que tu es là ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dommage que je ne sais pas vous voir avec les lampes, mais c'est pour notre bien. Yassi da, dans le monde, la main, il n'y a ni à part la pire, parce que le cabelot, il y a tout le bouffe à la liste. Alléluia! 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 Amen! Amen! Hier, nous avons commencé à avoir ensemble si nous connaissons réellement Dieu. Zamé, ton âme. Il y a un temps, nous avons reçu la femme des pasteurs chez nous à la maison. Et quand on a dit, tu donnes des pasteurs dans le papa, ton de Zakapoua. Et depuis 6 heures, on était en train de prier. Et là, c'est signe de 6 heures, ton signe à même pour ce moment-là. Elle s'est mise debout, elle a commencé à, elle a préparé son petit déjeuner. Elle s'attendait, jusqu'à midi, on était toujours en train de prier. Là, elle parle quand même, là, à celle-là, Libo, tu t'en as dit, il est au Libo. Parce qu'elle semblait s'habiller en bas. Là, attends, ce roi-ci. Elle a demandé mon épouse, mais maman, pasteur, comment on fait? Là, ce roi-ci, ma pasteur, parrain, parce qu'elle connaît son Dieu. Et cette connaissance, la panne-tada, elle agit une autre façon de prier. Elle garde la tonne pour son panne, pasteur. Frères et sœurs, dans le prophète. Adorateurs, des hommes qui disent ce que Dieu est,
qui est parti n'est qu'à partir. Il y a un bout de pile pour la yamamba. Mais cette partie que nous connaissons, la bouteille de notre Sénamba, nous pouvons l'exploiter. Ton mot aimé indique à ta calé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire un verset ce soir qui va nous aider. Et ton nom de votre calme, oui, n'a pas de dire les signes à son temps. Je ne vous laisse pas le citer. Je voulais citer ce verset parce que je ne le connais pas le cœur. Et on a un tour, ça va les jours où on va son mère. Mais si vous avez votre livre de prière là, c'est que c'est difficile de lire avec la lumière qui n'est pas là. Mais si vous avez la casse notée, c'est bien, ça peut vous aider. Il y a un chapitre 4, verset 6. Voilà, nous allons mettre les bouts pour lire la Bible pour ceux qui l'ont. Nous allons lire dans l'Ancien Testament. Nous allons lire dans le deuxième livre de la Bible. Dans le livre d'Exode. Le chapitre 33. Exode 33. Exode qui signifie départ. Le deuxième livre de la Bible. Parmi les livres dont l'auteur est Moïse. Il parle beaucoup sur le voyage des enfants d'Israël. Depuis l'Égypte. Et pendant leur vie dans le désert. J'ai le chapitre 33. Premier à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Moïse dit à l'Éternel. Voici, tu m'as dit, fais monter ce peuple. Avec moi, tu ne connais pas mon nom. Je te fais grâce à ses yeux. Là, n'a pas ma part de la vie. Amen. Amen. Je continue. Verset 13. Verset Pilate. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, la ma sainte ma part de la fais-moi connaître tes voix. Alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Il s'agit aussi de la connaissance. Considère que cette nation est ton peuple. Là,
Verset 14. L'Éternel répondit. La source envoyée la main. Je marcherai moi-même avec toi. Ce soir, Dieu va me donner des réponses. Amen. Vous savez, je voulais que nous soyons confessés la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Je sens qu'il y a une forte onction ce soir. Le Seigneur va faire une grande chose au milieu de nous. Moïse dit ici, tu ne marches pas par la fin du nom. La Moïse ne nous fait pas partir d'ici. Il a sacré, je te dis, cahier. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Et il y a un livre, il y a un livre, il y a un livre. Moi et ton père. Et ton père, pas de l'ami qui marche. Mais serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Il y a un livre, il y a un livre, il y a un livre. Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, l'Éternel est à Moïse. Je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je déclarerai par ton nom. Et je déclarerai par ton nom. Je vais écrire quelques versets dans le verset 16, quelques mots. Et verset Pilayora. Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et là, nous serons distingués. Est-ce que vous y croyez? Vous y croyez vraiment? Merci, vous y croyez. Merci, Seigneur. Je lis le verset 18. Verset Pilayora. Moïse dit. À Moïse, il a fait revoir ta gloire. L'Éternel répondit. La famille est la même. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Maintenant, qui t'a mis de manière ma femme lui faut et je préparerai devant toi les noms de l'Éternel. La nom il a fait l'ignorance à ce soir. Je fais grâce à qui je fais grâce. Maintenant, la personne va me dire. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. La mamie de lui, maman, c'est la personne. L'Éternel dit, la parmi la main, tu ne vois pas voir ma face. Son quatrième ami, car l'homme ne peut me voir et tu. Je vais lui dire ça, quatrième ami, qui est au prier. Verset l'Éternel dit, verset plus il a eu la joie et la joie. Voici un lieu près de moi, et à Zia, sa pénéma, tu te déclares sur les rochers. Yasbi, le jour. Quand la gloire passera, la main Zia s'en va trouver. Je te mettrai dans un creux des rochers. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. La main nous le voit de nouveau. Le chapitre 34. Le chapitre plus de la NASA. À partir du verset 5. Le signe du verset 1. Le terrain descendit dans une nuée. La source de la Sire, la Sire, la Sire, la Sire, la Sire. C'était là auprès de lui. Et il y a l'esprit de l'Ina. Il proclama le nom de l'Éternel. La Yéprousa, les sources de l'Ina. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. La source de l'Ina, il est en l'air. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux. Source de l'Ina, il est en l'air. Et compatissant. Là, c'est ce qui m'a. Là, la colère. Là, c'est encore il est en l'air. Riche en bonté et en fidélité. Bamba, c'est Yasson au Roussoua. Qui conserve son amour jusqu'à mes générations. Bamba. Verset